Eh ben voilà. L'hiver. Par dégoûtement. Bon, on va voir un peu comment ça se passe au niveau des gens. Alors. Ok. C'est parti. Les abeilles sortent, hein, c'est carrément dégrappé. On est bien au milieu là où il y a plus d'abeilles. Ok, ok. Parfait. Voilà. Salut les filles. Je vais vous ouvrir. Pollen, c'est très bien. Ok, donc les petits compléments de nourriture, ça a servi, tant mieux. On va enlever tout ça. Si il en reste un peu, on mettra ça dans le réseau pour que je termine tout simplement. Vous allez en attendant. La partition, on n'en a plus besoin. Hop. Alors, est-ce qu'on a un peu de réserve ici? Là, c'est vide. Là, c'est pas mal. Est-ce que je garde ce cadre? Oui. Nous, on a une colonie qui est très centrée. Beaucoup de pollen ici et du nectar aussi, c'est très bien. De la ponte. Je vois des œufs, il n'y en a peut-être pas encore là. Des larves, du couvain fermé. Ouais, ça c'est très très bien. Ici c'est vrai, pareil. Exactement. Voyons, on voit le nid à couvain et dans les petits trous ça pond. Est-ce qu'on voit des œufs quelque part? Je vois la reine d'ailleurs. Je vois la reine, la voilà. Je vois la reine, la voilà. Elle est juste ici, en plein milieu, avec un petit point jaune sur son dos. Voilà. La reine est bien là. C'est super. Ça rentre des réserves aussi en même temps. Colonie qui repart bien. Ici. Ok. Ok. Des réserves du pollen. Ça va donner du travail aux abeilles. J'anticipe un petit peu les prochaines étapes. Ça, on va leur laisser ici pour terminer. Mimosa. Voilà, ça va bien. Une nouvelle et belle saison qui s'annonce. Alexandre, toute l'équipe de conservatoire, je vous dis à très très bientôt. Le coup de pouce qu'on a donné à cette colonie pendant l'hiver a bien donné ses fruits. Et la voilà qui repart sur d'excellentes bases. Je lui souhaite une excellente saison. Également à Alexandre et à toute l'équipe des conservatoires, je pense bien à vous là-bas à Issy-les-Moulineaux.